Ok les gars, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler de plein d'actu, plein de nouveautés. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo car elle va être insane. En attendant, si tu n'as pas encore liké cette vidéo, like-la, abonne-toi si tu ne l'es pas encore. Car clairement, voilà, nos vidéos sont de plus en plus suggérées. Essayez de la regarder le plus longtemps possible, ce qui permettra ainsi de pouvoir avoir un watch time assez correct, qu'elle soit partagée. Car en ce moment, on ramène énormément de gens à travers ces vidéos actu, les vidéos théories et les live Fortnite. Et clairement, ça fait plutôt plaisir, la communauté s'élargit et c'est grâce à vous. Donc je vous en remercie d'avance les pods, vous gérez. Soit avant que la vidéo commence, sachez que la nouvelle mise à jour 13.40 est désormais disponible sur les serveurs développeurs d'Epic Games et devrait normalement arriver très prochainement. En tout cas les amis, Epic Games a fait une grosse bourde, ils ont leak un tout nouveau skin qui devrait apparaître très prochainement dans la boutique Fortnite. J'ai pu vous screen l'image sur Twitter, donc voilà tout simplement le nouveau skin qui fait en même temps mais étrangement appel au véhicule grâce au traçage, les traçages un peu qui ressemblent à des lignes d'arrivée. Donc voilà, on voit vraiment que c'est un tout nouveau skin, on l'a pas encore vu et clairement ça fait plutôt plaisir, un peu de nouveauté sur Fortnite. Normalement il devrait arriver en même temps que les véhicules qui, je le rappelle, devaient arriver aussi au point zéro de l'eau sur la map. Et là clairement depuis ce matin on est au point zéro, donc tout simplement l'eau a fortement baissé et comme on peut le constater sur la carte, et on a eu une nouvelle ville tout simplement qui s'appelle Caral Castle, comme ici indiqué sur l'image. Donc c'est une ville magnifique, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me la noter dans l'espace commentaire, c'est important les potes, notez la moi dans l'espace commentaire, moi je la trouve magique. Alors on s'attendait tous à avoir une ville qui s'appelle Atlantis, fallait bien s'en douter qu'ils n'allaient pas prendre un nom déposé. Donc voilà, ils ont trouvé l'originalité avec avec cette ville et voilà, ça fait plutôt plaisir aussi. En même temps, ben voilà, ça touche à Fortnite, c'est leur créativité et c'est ça qu'on veut un peu quoi les gars. Donc soit après avoir parlé de la nouvelle ville, on a pu aussi apercevoir qu'il y avait des nouveaux défis qui étaient apparus avec le vaisseau de Siona. Tout simplement, comme je l'avais parlé dans la vidéo, l'eau a baissé, donc le vaisseau est apparu sur un banc de sable. Donc il y avait une mini event ce matin, je sais pas si vous l'avez faite, mais en tout cas voilà, il fallait collecter les pièces du vaisseau pour pouvoir le faire décoller tout simplement. Et il y a eu une mini event que je pourrais pas vous montrer en vidéo malheureusement parce que je n'ai pas rec et j'avais pas envie de prendre la vidéo d'un autre youtubeur tout simplement, voilà, parce que chacun son contenu et c'est comme ça qu'on se respecte sur YouTube. Mais puis voilà quoi les potes, hein, si au moins vous voyez que dans ma précédente vidéo je ne vous avais pas menti, les vidéos que j'avais les vidéos actuelles que j'avais sorties sont clairement vraies et ça fait plutôt plaisir. Donc n'hésitez pas à me l'indiquer, un maximum de GG dans l'espace commentaire car ça a été une de mes premières vidéos avec le vaisseau et j'avais un peu chaud mes fesses quoi. Voilà les amis, donc soit on va parler du nouveau partenariat avec Marvel tout simplement. Sachez que Fortnite est en partenariat constant avec Marvel, mais là il y a le nouveau jeu qui est en bêta qui va sortir sur PS4 et Xbox, nouveau jeu Avengers tout simplement. Et en l'occurrence pour fêter cela, donc ils vont sortir pourquoi pas des nouveaux skins Marvel dans la boutique et ainsi que ces deux pioches que vous pourrez acheter. Donc on connaît pas encore réellement leur prix, mais clairement voilà, moi je les trouve, je suis pas vraiment Marvel, je sais pas si vous l'êtes, mais bon, moi je la trouve pas très belle. Mais en tout cas, voilà, on en a du Marvel, on en a mangé, on en a remangé. Et je pense que pour la saison 4, il y aura encore du Marvel, les amis. Donc voilà. C'était la petite info pour les nouvelles pioches qui vont apparaître dans la boutique Fortnite très prochainement. Alors encore une fois, on n'a pas de date, on ne sait pas les prix, mais voilà, tout simplement, elle devrait apparaître très prochainement. On va parler aussi de l'event normalement qui devrait arriver en fête royale où vous pourrez débloquer donc cette bannière tout simplement. Donc il suffit de vous connecter le 7 août à 13h où vous pourrez la débloquer, ou tout simplement entre le 7 et le 8 à 2h. Donc voilà, c'était tout pour ces petites actualités les amis. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Retenez les 10K les amis. Et moi je vous fais des bisous, c'était Comi. Ciao ciao.